Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est censé visiter les Glénans, l'archipel des Glénans. Le truc c'est qu'ils annoncent de l'eau de 8h à 17h, ils annoncent de la pluie et du vent à 40-50 km/h en plein sur les Glénans. Que aujourd'hui. Et nous on s'en va demain, donc on avait que aujourd'hui pour le faire. Et là on se lève ce matin, voilà, ils annoncent à partir de 8h, mais si on regarde, il y a un petit ciel bleu là-bas. Là, les nuages, ils commencent à arriver, vous voyez. Pour l'instant, ça pleut pas. Si ça reste comme ça, je pense qu'on pourra s'en sortir. Donc, bon, on va tous se préparer. On va prendre nos sandwichs, sac à dos. Je pense qu'on va tenter d'y aller. On verra bien. Voilà. En tout cas, on vous embarque avec nous pour cette journée qui, je pense, ne va pas se passer comme prévu. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Oh, venir dans le coffre dès le matin pour chercher les sacs à dos, ça calme, hein. On a retrouvé des Kawé. C'est à quel âge le tien, Théo? 8 ans. Et toi? 10 ans. 10 ans. Vas-y, essaye. Ça fait longtemps, en fait, qu'on s'est pas servi des Kawé. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en Bretagne en même temps. Rien du Nickel, tu mets du 8 ans. Ça nous coûtera moins cher. C'est pas drôle. Eh, ça te va comme un gant. C'est voilà. Pas confortable, un Kawé. T'inquiète pas, tu verras quand on sera sur le yacht et qu'on sera en train de faire du 60-70 nœuds et qu'il y aura de l'eau, tu seras bien content de l'avoir. Ouais, mais ça reste un Kawé à 8 ans, quoi. C'est pas grave. C'est... Regarde, bah, il te va nickel. T'as la classe, mec. Hé, hey, t'as la classe. C'est ça, ouais. Il fait un peu, tu sais... Mais ouais, il fait un peu serré, tu sais, il fait un peu, comment on dit, comme les jeans, là. Il fait stretch, tu sais, pas stretch. Voilà, c'est pas régular, c'est... tu sais, c'est... Tu vois, quoi. Moderne. Non, c'est... Voilà, tendu, c'est comme t'as ton jean, Lucie, ça s'appelle un... Ah, j'arrive pas là. Un Bermuda. Un Bermuda. Mais non, mais c'est... voilà quoi, c'est... un slim, voilà, ça fait slim. Exactement. La classe. Pas trop dur le réveil ce matin? Non, ça va, nickel. On croirait que t'as l'habitude. Alors, qu'est-ce que t'en penses, il va faire beau ou pas? C'est bien pour l'instant, on va espérer que ça dure. Ils ont dit 8 heures tout à l'heure là. 8 heures, ils annonçaient de la flotte. 8. T'as quelle heure, chouchou? Il est pas loin de 8 heures, je pense. 8 heures et quart. Ils sont trompés. Ouais. Donc, on peut y aller. Il va faire beau. Il va faire beau. C'est parti. Allez, on se met en route, on verra bien. De toute façon, faut tenter. Il faut y aller. Allez, go. Salut à tous. Je t'emmène, poupée. Ça fait drôle, on est tout petit du coup. Et on n'a pas l'habitude de rouler dans des belles autos comme ça. Il nous a laissé la belle auto aussi. Vous êtes bien, vous là? C'est Start. Lucas, t'es bien? Julia, t'es bien? T'as trouvé un livre? Hein, comment on fait déjà? Tu restes appuyé dessus. Appuyez sur le frein, plus start, c'est marqué. Ah, c'est vrai, je me souviens, comme dans le Scénic, qu'on avait. C'est une boîte auto? Non, c'est pas une boîte auto. C'est la pochette de l'eau. On dit aux enfants, il faut toujours lire avant de commencer quelque chose. Attention, conduisez toujours prudemment, respectez les règles. De circulation locale. Ah ouais, moi aussi. Je suis habitué. Oh, on croirait qu'on est des anciens et tout, ouais. Je te jure qu'on n'est pas habitués, quoi. Grave. Oh, c'est silencieux. Ah, chouchou. Ouais. Tu vas faire du bateau? Ouais. T'es content? Ouais. 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 Et toi, t'es content, tu vas faire du bateau? En fait, nous, on va là-bas tout droit, direction les Glénans. Vous voyez, au peu près, il y a les rayons de soleil. Et il y a un petit vent et il y a tout ce temps-là qui arrive de la droite. Vous voyez, c'est en train de venir sur les Glénans. Allez, on croise les doigts.
Ça va le faire. Et voilà, nous sommes arrivés et en fait on se retrouve dans les chiottes. Eh, super la visite des Glénans. Franchement, je te retiens. Moi, je voulais y aller hier. Ah, mais, tu m'as forcé aussi. Hein. Ouais. Ça va, on n'a pas payé trop cher le bateau. Je filme. Hein. Bon, et eh bien, on sait pas ce qu'on va faire là avec Simon. On est un petit peu paumé là. On pense qu'on va rentrer parce qu'en fait il pleut et on peut rien faire. On voit rien. Regardez le temps. Voilà. Donc, si c'est pour choper la crève, c'est pas la peine. Alors, il faisait beau, on a risqué. Quand on doute, il faut pas le faire des fois. On aurait dû pas le faire. Non, non, pas... Mais bon. Voilà, ça nous apprendra, on a voulu tenter, on a tenté, et voilà. Puis du coup, on a voulu venir se réchauffer dans un petit, le seul café qu'il y avait dans le coin. On rentre dans le truc, déjà pas un bonjour, rien du tout. Ouais, assez spécial, ouais. Atmosphère assez glauque. Ouais. Et puis, bah, voilà, pas de chocolat, rien, on a pris quoi, quelques sirops à l'eau, ouais. 18 balles. C'est ça. Ça je m'en doutais. Oh la vache. Ça je m'en doutais. Et puis moi je commence à sentir une odeur de clope et tout. Je fais sérieux, ça fume dans le bar quoi. Faut que je sorte, moi je supporte pas ça. Donc bah là on est calé à côté des chiottes. On est calé à côté des chiottes. On a appelé le monsieur là qui s'occupe des bateaux. Il a dit qu'on pouvait rentrer. On va avoir un temps dégueulasse, mais ça va, pas plus risqué que ça. Moi, je pense qu'on va donc voilà, on voit ce qu'on va faire. Les petits sont, ça va pas non plus. Enfin voilà, ils sont tout mouillés. Enfin ouais, pas génial. Pas génial. Non. J'avais dit qu'il fallait pas y aller. Je t'avais dit. C'est ta faute. Non, c'est toi qui insiste. Non, c'est ta faute. Non, c'est toi qui as dit. Moi, hier, j'ai dit qu'il faut pas y aller. T'as dit, je suis là, je vais au Glénans. Et toi, t'as dit oui, mais non, moi, je...
Bon, on est en train de s'équiper là. Tenue de combat. J'espère qu'on va rentrer. Arriver entier. Il n'y a pas de raison. Hein? Pourquoi tu veux qu'on arrive pas entier? Hein? On flotte, dis. Oh, hey, oh. La bande de touristes, mais grave. Ils arrivent même pas à mettre leur cam et tout. Là, truc de dingue. Hey, la grosse bande de touristes. Regarde, avec son rancho. On dirait qu'il aime la Disneyland. Allez, devant. On va essayer de rentrer dedans. Allez, ça y est, on est parti. On va rentrer tranquillement. Et voilà, quoi. On sait qu'on va avoir un temps dégueulasse. On va manger un peu. C'est pas grave. Voilà, on va faire attention. Les grosses vagues, ça aurait pu faire peur et tout, mais nickel. Le bateau, il sortait, bon. Non, on risque rien, c'est un gros zodiac, il est long, même là-bas les gens ils ont dit vous allez vous faire démonter, mais voilà, avec le bateau que vous avez, faut pas vous arriver grand chose avec le 40 km/h devant. Voilà, on n'est jamais à l'abri de rien, mais là ça va. Ça y est, on est dans la voiture, on est tous à poil, même Charlotte. Charlotte, elle est un petit peu malade. C'est quoi, le mal de mer, tu penses, ou c'est la pluie, le froid? Ouais, elle pense que c'est le mal de mer.
Les enfants, pareil, sont tous tout nus. Voilà. Parce que là, il fallait qu'on rentre dans la voiture plus ou moins sec. Sinon, on allait attraper froid, quoi. Bon, bah voilà, l'archipel des Glénans. J'aurais aimé vous faire voir quelque chose de mieux. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Voilà. Bon, on est quand même rentré. On est bien. On va aller se poser. On va aller se doucher. Puis on va aller se mettre dans le lit, hein, chouchou. Et se reposer. On a fini notre petite sieste, obligé. On a pris une douche, tout ça. Et on s'est posé. Et ça y est, ma petite femme, elle va mieux regarder. Alors ? C'était pas terrible. Je sais pas, je pense que c'est le mal de mer que j'ai eu. Je crois que c'est le mal de mer. J'ai des couleurs, la vache, j'étais toute blanche là. La vache. Et du coup, les gars, ils ont pas vu, mais moi j'étais derrière avec les petits, donc les trois petits. Et j'ai fait que de vomir. Jérém, j'étais comme ça. Je voyais son pantalon, il était trempé d'eau, je crois, ma petite Charlotte, à mon avis. Jérém, il me dit, ça va pas. Je dis, non, ça va pas, je fais que de vomir. J'arrête et tout, je suis pas bien. Du coup, c'était la grosse galère, même dans la voiture, j'étais comme ça et tout. Ouais. J'arrivais pas à m'en remettre. Je dis, c'est bon, je l'ai même pas aidé à faire les affaires, les sacs, j'ai rien fait. Je suis arrivée, je me suis couchée direct. Non, mon amour, maman, elle était toi, pas bien. Toi, c'était bien le bateau? Ouais. Ah ouais, ils étaient mouillés de la tête aux pieds, ils étaient. On a été super fiers d'eux, je leur ai dit, vraiment, vous avez assuré quoi, Julia et Lucas, les deux petits, mais à aucun moment ils se sont plaints, ils ont pleuré ou ils ont fait quoi que ce soit quoi. Ils ont pris des vagues en pleine face et tout, fallait voir. C'était un truc de dingue quoi. Ouais, vraiment. Allez. Top, hein. On mange un petit bout parce que maintenant Charlotte a la faim et quand t'as la faim ça veut dire que ça va mieux. Mais en même temps j'ai pas mangé de la journée. Hein. Et on va voir des gens. Il est 18h bientôt. On va voir des gens. Petite surprise. Vous allez voir, on vous en dit pas plus. On est en train de débriefer avec Simon et Charlotte. Regardez, ça va mieux. Elle a repris les couleurs. Bon. Et on se disait derrière, elle a grave mangé en fait. Ah c'est clair. Ah ouais, comme si on lui jetait des seaux d'eau dans la tronche et mais tout. Mais c'était trop ça. Hein, c'est l'étangel douche. On aurait dit un film. On aurait dit un film, tu sais. On balançait les seaux d'eau. Comme ça, c'était un truc de malade quoi. Après, les enfants, ils ont aimé quoi. C'était cool, on a tous aimé. Nous, les enfants, ça les faisait rire devant, tout ça, on a tous adoré. Un peu moins Charlotte. Gaspard, il a dormi tout le long. Il n'a pas dormi, je ne sais pas comment il a fait, mais il a dormi. Et on se disait tout à l'heure, tu sais déjà, mais le meilleur moment, c'est quand on est rentré dans le bar. On a kiffé. Ah là, c'était génial. Là, t'avais envie de rester là. T'avais envie de rester la journée entière. Ah oui, moi je me sentais bien là. On se sentait bien, comme à la maison. On se sentait accueilli. Petite auberge. Ah non, on était trop bien. Ah ouais, ça fait peur. Ah désolé, on a dit où c'était. En même temps, sur l'île, il ne doit pas y en avoir beaucoup là. Non. Alors voilà avec qui nous sommes. Vous savez pas qui c'est. Oh excuse, je te mets une t'as droite. Fait une j'ai pas fait exprès. Là on est avec. On va le montrer. Bresbus, on l'a eu l'autre fois en live sur notre live en fait. Voilà. Il est en train d'aménager un car double étage. C'est dommage qu'on n'a pas le temps. Parce que sinon on aurait pu faire un chouette portrait. J'ai pas entendu. Non, donné la main. J'ai pas entendu. Non. Si, venir un petit coup de main une semaine. Une mais semaine, je me dis, il y a plus fou que nous, hein, chouchou. Et là, on est avec On est avec Jean Cadic. C'est Jean Cadic. Je dis Jean Cadic, moi, à chaque fois. Oui, c'est ça. Il y a marqué dessus, il y a le Jean Cadic. Tu dis, on n'arrête pas de dire Jean Cadic. Parce que c'est Jean. Oui, on est avec. Jean Cadic assis. On est avec Jean et c'est le monsieur qui nous a donné le siège Recaro qu'on a mis dans le camion. Et il a la place. Il est bien confortable et tout. Franchement, on en est super content. Ouais. Nickel. Et voilà, donc là, on est venu faire voir le bus double étage. On va pouvoir faire voir quelques petites images. Ouais. On aurait eu le temps, on aurait fait un petit portrait sur toi, ça aurait été sympa. Ouais, c'est parti remise. Et se dire que. Là, c'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Vous allez voir ce que c'est du gros chantier. Donc, Bryce Bus. Alors, on l'appelle bébé. Mais c'était ouais. C'est mon bébé, en fait. Donc, Bryce Bus, bébé.
Ça fait 2 ans que tu es dessus. Ça fait 2 ans que je suis dessus. On a mis 1 an à le démonter quand même. Ouais. C'est assez long parce que c'est un double étage, donc il y a le double de travail. Un double boulot, exactement. Double boulot. Voilà, c'est un 228, c'est un Cetra 228 DT, donc double boulot. Combien de chevaux, la longueur? Alors, il fait 385 chevaux, moteur Mercedes. V8 biturbo. V8 biturbo, clop, donc tout doucement. Ouais. Il fait 12 mètres de long, donc d'accord. On peut l'homologuer en VSP. Ouais. Deux essieux à l'arrière. Il y en a un directeur ou pas? Un directionnel, ouais, directionnel. Ok. Ça passe partout. On va tourner un peu avec. Je l'ai conduit un petit peu. Franchement, ça passe partout. La hauteur. Ouais, la hauteur. Moi, c'est la hauteur. Combien? Franchement, 4 mètres. 4 mètres de haut. 4 mètres de haut. Ok, on va vous faire voir l'intérieur tout à l'heure. On fait une petite, un petit truc vite fait, hein, regardez. Donc voilà. C'était un truc de scène, c'est ça? Ouais. Un quart de scène. Technicène.com. Ok. Super gars d'ailleurs. Il a eu ses heures de gloire. Et là, tu vas essayer de lui redonner vie. Parce que, il faut le dire, il était un petit peu attaqué, on va dire. C'est un vieux bus, un vieux 86. Bus. Ouais. Donc 86, ça fait un bus qui a pas mal de corrosion. Il y a de la corrosion, il y a le châssis qui a pris un coup. Le tri, forcément, il est un petit peu rouillé. Et puis, la carrosserie. Hein, la carrosserie paraissait saine quand on l'a achetée. Hein, ouais. On a démonté les vitres, on a vu que ça commençait à... À rouiller sous les vitres et tout, comme nous, mais c'est bien t'enlever les vitres, c'est cool ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, pareil, contreplaqué marin, grâce au badouillard. Ah, c'est cool ça, contreplaquémarin.com. J'avais acheté le bus, je vous ai vu poser les plaques, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Mon petit inconvénient quand même, c'est que moi je voulais en fait le faire tout plat. Je voulais pas mettre de baguettes, tout ça. Ah oui, ouais, mais ça malheureusement, je sais pas si c'est possible. Non, tu seras obligé de mettre des baguettes de finition. J'ai essayé plein de trucs. Ouais. Tu vois, il y a du. Ça fissure. Ça fissure. Ouais. Après, je suis passé au mastic alu. Oui, d'accord. Solide. Ouais, et alors, ça fissure aussi. Et ça fissure quand même. Ouais, bah. Si t'as pas suffisamment de mastic, ça fissure. Voilà, puis si tu mets du mastic, du coup, ça refait des bosses aussi. Ouais. Donc voilà. Ok. Mais t'es plein de motivation encore. Ouais, c'est ça qui est bon en fait. Allez, on rentre. Tout est dans la tête. Allez, on va voir l'intérieur. Moi, le moteur, je m'en fous un peu. Moi, c'est l'intérieur un peu. Bah, allez-y. Rentrez. Oh la vache! Là nous sommes dans le premier étage. Ah excusez-moi, j'ai pas enlevé mes chaussures. Alors voilà, là nous avons le premier étage. Et regardez, niveau hauteur, je suis dans le couloir. Ouais, t'as de la hauteur ici. Ouais. T'as combien tu disais en hauteur? On est à 1,78 je crois. Là on est à 1,78? Ouais. Bon, c'est bizarre, je fais 1,85 m. 1,85 m? Non, je crois pas non plus. Et tu vas fermer le couloir ou pas? Fermer le couloir, c'est-à-dire? Bah tu vas le boucher. Bah non, tu peux pas, t'es obligé de le laisser. Ah oui, sinon tu touches direct. Putain, t'as les réservoirs, hein, gasoil sur les côtés. Regardez, pour vous rendre compte avec Charlotte, et la hauteur. Donc en bas, ça sera quoi? Cuisine, espace route, c'est ça? Cuisine, pour rouler. Bah, espace route, ça va dépendre, ouais, comment je peux me lever. Ah, tu vas peut-être en mettre en haut, c'est ça que tu disais. C'est ça, en fait, comme il y aura 4 sièges en haut, enfin j'espère. Oui. On est combien en poids? En poids vide, t'étais à combien avant avec les sièges et tout? C'est ça, ouais. Il était à 21 tonnes en ordre de marche. Non, en poids vide. 27, 26 tonnes, 20, je sais plus combien. Et à vide, t'as 19. T'as plus l'étiquette. À vide, il a 19 tonnes, quoi. Dingue, chouchou. Un double étage, ça te branche? Bah, quand je vois ça, non, pas trop. C'est 15 tonnes. 76. J'ai le même que ça, tout neuf. Ah ouais, encore celui-là. Quand tu vas voir le nôtre, tu vas t'énerver. Le PTAC, combien là? 23 tonnes 500. 23 tonnes 500. Et 15 tonnes à vide. 15 tonnes à vide, ah d'accord, 15 tonnes. Voilà, attention, nous arrivons dans le poste de pilotage. N'ayez pas peur, c'est normal, il y a un peu de poussière. C'est pas grave. C'est un coucou qui est de 86. Ouais, voilà, nous arrivons en haut. Oh, ça va. C'est isolé là. C'est pas du tout la même atmosphère. Ah non, tu sens l'isolation. Ouais, on sent un peu l'isolation, on sent que bah il y a déjà eu du boulot quoi. Et là par contre, ouais, vous voyez, on doit un petit peu se pencher. Donc pour les grands, c'est pas possible. Ah ok. C'est sympa ça. Ça c'est la cage d'escalier. Voilà. Donc ici on est dans la partie quoi là? Vous avez encore des marches ici pour descendre au niveau du passage conducteur, vous voyez. Ça va être quoi ici? Salon. Ici c'est un salon, donc en bas salle à manger, cuisine, une petite partie route. Et en haut, salon. Là tout ça c'est le salon?
Tout ça, ça va être le salon. Bah ouais, c'est un grand salon. Hein. Ici, t'as un point bureau qui est prévu. Ouais. Donc tu vois, t'as la porte, un mini porte. Bien vu, chez Animals. Ouais, ouais, bah ouais. Et ici, donc, coin bureau. Et donc, t'as tout ce qui est HDMI, le son du bus, tout ça, tout sera calé ici, en fait. Tout sera calé ici. Ouais. D'accord. Voilà, et puis bah, le salon, grande banquette. Grande banquette qui démarre ici. Il y a un bar ici, on a prévu un bar. D'accord. Petit bar, et puis une banquette qui démarre là-bas, qui va faire l'angle. Ouais, il fait chaud, là. Ah, le chauffage, il est en route. Chouchou, tu te mets sous le chauffage. Le radiateur, ouais. Non, mais je rigole pas, vous avez vu la différence de température. Ouais. Et ici, c'est isolé, c'est pour ça. C'est quoi cette truc? Et là-bas, nous aurons, je pense, des chambres, c'est ça? Lit superposé. Ouais. Lit superposé. Ok. Et là-bas, la chambre parentale. Ici, alors ici, machine à laver. Ouais. On casserait, donc on peut y avoir accès ici, en fait. À droite, les toilettes. À gauche, la salle de bain. Et la chambre parentale ici. Ok. Tout simple. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Non, les Nesta. Attends, tu disais quoi sur les Nesta et sur les XTG? Super sympa. Voilà, ils étaient adorables. Bien. Ouais. Ils étaient adorables. Triste pour les Nesta parce que ouais. Ça finit comme ça. Mais bon, on les reverra, il n'y a pas de problème. Et puis les STG, ils me font envie. Ça, c'est comme tout le monde, je crois. Bon, bah merci bien, Cyril, de nous avoir fait voir ton bus vite fait. Le jour où on pourra, on fera un truc plus long si on peut. Ouais. On se reverra. Et c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, tout s'est pas passé comme prévu aujourd'hui avec les Glénans, mais on a rencontré des gens, des bandits en fait. Et ça fait plaisir. Et là, ça vous avait sauvé notre journée. Et on va aller manger ensemble. Ça va être trop bien. Jean, le mot de la fin. Le mot de la fin, bah non, continuez, voyagez, faites-nous rêver, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein, donc voilà. Magique. Ouais. Le mot de la fin. Merci d'être passé. Non, j'aurais pas fait mieux. Non, mais... Tu peux pas faire mieux que Jean. Que Jean. C'est pas possible. Allez, merci. Merci à tous. Salut. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous. Bye bye. Salut à tout le monde. Jean, on n'est pas là. Le drapeau breton. L'explication. Le chant d'Hermine, qui est le drapeau de la Bretagne, qui est le drapeau du duché de Bretagne, de Nantes, qui est Nantes et en Bretagne, et les bandes qui signifient les duchés, les différents duchés, les cinq bretonnants et les quatre non-bretonnants. Donc les bandes blanches, c'est ceux qui parlent ceux qui français, parlent français et ce qu'on appelle noirs. le pays gallo, c'est ceux qui parlent breton. Pas breton. Voilà. Tu savais ça? Je savais même. T'es breton? Pas... Moi je suis pas breton. Ah, t'as de la chance, ouais, sinon c'est... je t'aurais giflé. Well, I've been rolling in since the clock came Monday morning. From the end of the week, I'm a bum about to blow. He's walking to the honky tonk like a